J'aurais dû le voir venir. Ah non, voyons, la faute est à moi. Comment? Bien, les dames d'abord. Voilà, j'aurais dû te laisser sortir d'abord. D'accord, alors laisse-moi. Bref, en tout cas, je m'appelle Andy. Je suis Perfetta. Mes amis m'appellent Ochezi. Ochezi, c'est un joli nom, ça. Ça va de pair avec ton joli visage. Je suis flattée, oh mon Dieu. En tout cas, laisse-moi prendre quelques friandises comme ça. Ça pourrait peut-être me faire devenir ton ami. Non, je dois me dépêcher. Oh. J'ai un rendez-vous que je dois rendre. Ah, je pourrais peut-être t'appeler. Ochezi, oui? Je vais devoir rentrer au boulot. Ok, ok, on se voit, d'accord? Prends soin de toi, hein. Je le ferai. Ok, bye. J'aimerais bien te revoir. Nous nous verrons la prochaine fois. Laisse-moi courir. Je peux peut-être t'appeler. Ok. 0, 0. D'accord. 3, 2 fois 4, 2. 3. 1, 7. 1, 7. 4, 6. 4, 6. D'accord. D'accord. Ah. Non, c'est moi, je voulais bien que tu aies le mien. C'est bon, j'ai ton numéro, j'attends ton appel. Enregistre-le. Ok, d'accord, on se voit la prochaine fois. D'accord, prends ça de toi, d'accord. Au revoir.
S'il te plaît, viens. S'il oui? te plaît, c'est toi, Otiézé. Bien sûr. Donc, c'est toi qui sors avec mon gars, hein? Pardon, qui êtes-vous? Tu ne me connais pas. Mon nom, c'est Esso Guéné. Et j'ai entendu que c'est toi qui sors avec mon gars dans cette vie. Pardon? Laisse-moi t'avertir. Je vais te détruire si je te vois encore avec mon gars. Casse ta tête, tu m'as compris? Tu as été bien compris. Essaye, tu verras. Que ce soit la première et la toute dernière fois. Si tu blagues, je vais te poignarder. Je vais percer ton ventre et retirer les intestins et les cuisiner. Tu n'as encore rien vu. Que je te voie encore avec mon gars, c'est là que tu sauras qui est Osso Guéné dans cette vie. Chérie. Oui, mon bébé. Quand tu vas finir, j'aimerais aller au supermarché où je pourrais avoir mes produits de toilette. Oh, oui, oui, oui. D'accord. Oui, en effet, nous allons le faire. Rappelle-moi juste. Attends, d'accord. D'accord. Andrew. Andrew, c'est ici que tu es? Comment tu sais que je suis ici? Tu es fou. Écoute ici. Dégage ici. J'en ai ras le bol de toi. Lâche-moi le basket. C'est comment non? Allez où? Je ne vais nulle part, c'est entre toi et moi. Oh bon sang. Est-ce obligé d'être amoureux? Et si j'en ai vraiment ras le bol de toi? Arrête de me pourrir la vie, alors arrête. Comment? Allez où? Je ne vais nulle part. Toi et moi nous sommes ensemble, je ne vais nulle part. J'amène la vie. Écoute, je suis vraiment fatigué, tu m'embarrasses à longueur de journée. Je ne veux plus seulement revoir ton visage. Alors laisse-moi tranquille. Donc c'est moi et Sogane qui tourmente ta vie, hein? Andrew, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne vas nulle part. Toi et moi, nous sommes ensemble. Je t'aime encore, tu as compris? Je ne suis pas fatiguée, je te veux encore. Tu ne vas aller nulle part. Jamais. Écoute-moi très bien. J'en ai marre que tu m'embarrasses en longueur de journée. Je ne veux plus te voir, je suis fatiguée. Garçon, je dois voir ce visage. Tu n'es pas fatiguée, je ne suis pas fatiguée. Quelles sont ces conneries? Ah ah, qu'est-ce que c'est? Toi, après l'avertissement que je t'ai donné, hein? Tu continues à suivre mon gars, n'est-ce pas? Tu continues à suivre mon mec. Je vais te montrer. Tu m'as compris? Je vais te montrer dans cette fille. Je vais te montrer qui est Esso Guéné. Andrew. Andrew, n'est-ce pas que tu as dit que tu ne sortais pas avec cette fille? Hein? N'est-ce pas que tu as menti que tu n'as rien à voir avec elle? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je vais en finir avec toi. Dégage! Dehors! Que je sorte, n'est-ce pas? Tu auras de mes nouvelles. Tu verras. Que je détruise ta face. Et dégage ici! Pauvre idiote! Cafard! Qu'est-ce que c'était? Écoute chérie, je... Qu'est-ce que c'était? Désolé, écoute, je... Qu'est-ce que tu fais encore avec cette villageoise? Non, 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 je t'ai dit que j'allais arranger ça chérie. Je suis fatiguée d'être embarrassée. Non, bébé, écoute, excuse-moi. S'il te plaît, écoute, écoute. Otiézé, Otiézé, je t'en prie. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Voyons, je n'ai pas apprécié la façon dont cette stupide et folle et s'est fait subir. Mais comment tu sais ça? Comme une femme pareille, une pareille femme. Comment as-tu pu introduire cette femme dans notre relation, Andy? Andy, tu me surprends. Je n'ai pas voulu te briser le cœur, chérie. Je ne comprends pas, en fait. Tu m'as vraiment déçu. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te tuer? Tu ne peux pas comprendre. Bonjour. Comprendre quoi? Et toi, écoute. Ne pose plus jamais tes pieds ici. Je répète. Ne pose plus jamais tes pieds ici. Max. Laisse-moi. Max, reviens. Max. Je sais. On ne compte pas de rien en amour. Écoute, donne-moi juste un peu de temps pour arranger les choses, d'accord? Écoute, je te promets de ne jamais te laisser tomber. Et je peux expliquer des fois, la vie ainsi est juste.
Je suis vraiment désolé de te mettre dans une telle condition. Je t'aime tellement. Je suis désolé. Tu es sûr? Je sais plus que c'est tout ce que je veux, c'est toi, mon bébé, c'est toi. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu es sûr? Oui, mon bébé, c'est sûr, 100%. S'il te plaît, tout ce que tu demandes, c'est de me pardonner, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Belle fille, comment tu vas? Comment tu vas, jeune fille? Bon après-midi, monsieur. Donc, où vas-tu? Je peux te déposer. D'accord? Désolée, tu pourrais ne pas aller sur mon chemin. Oh, même si tu vas au ciel, je t'amènerai, ok? Il n'est pas bon pour les belles femmes comme toi d'attendre au bord de la route pendant longtemps, ok? Allons-y, je vais te déposer, ok? Je ne fais pas confiance aux étrangers. Oh mon Dieu! En tout cas, je m'appelle Monsieur Jack, ok? N'importe où tu vas, je te déposerai, ok? Allons-y, bébé. Allons-y. Sois libre, ok? T'en fais pas, n'importe où tu vas, je te déposerai, ok? Ok, je vais bien prendre soin de toi, tu comprends ce que je dis, hein? Ne t'en fais pas, tout ira bien, je prendrai bien soin de toi, ok? S'il vous plaît, je veux dire que je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai un petit ami et je n'aimerais pas faire quelque chose qui va le blesser. Petit ami? Vas-tu lui dire que tu as trouvé quelqu'un d'autre? Petit ami? Je suis très sérieuse, monsieur. En plus, tu es un homme marié avec des enfants. Je ne peux pas faire ça. Arrête, les filles d'aujourd'hui, elles croient, tu sais, en celui qui peut prendre bien soin d'elles, ok? Et je promets que je vais prendre bien soin de toi. Tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas de ce genre, monsieur. Je me dois de rester fidèle à mon petit ami. Et Andy est une très bonne personne. Je ne peux vraiment pas lui faire ce genre de choses. Bien, mais je pense qu'on peut être amis. Et je peux même t'amener à la maison et te déposer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux. De rien, ma chère. Ok, on pourra se voir un autre jour. C'est vraiment très gentil de votre part. D'accord. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est gentil. D'accord, je crois que je devrais venir te visiter de temps en temps. Le veux-tu? Oh merci, ce sera avec plaisir, monsieur. Sois une bonne fille, ok? Oui, monsieur. Tu es une fille très gentille. D'accord. Je te verrai, ok? Merci beaucoup, d'accord, monsieur. D'accord, prends soin de toi.
pas dit que tu venais. Oh, maintenant, j'ai besoin que tu me donnes une autorisation pour que je vienne te voir, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire ça. C'est juste que si tu m'avais dit que tu venais, je t'aurais attendu. Qui était ce type? Et depuis combien de temps est-ce que tu sois avec lui? Mon ami, c'est lui qui m'a ramené. J'étais placée en route et il m'a proposé de m'accompagner à la maison. Je n'ai rien à faire avec cet homme. C'est vraiment déçu de toi. Alors la seule personne qui se porte garante de te déposer, c'est mon propre frère. Hein? Mon frère? Je n'ai jamais rencontré et en plus, je n'ai rien à faire avec lui. Tu me déçois vraiment. Écoute, Andy, tu sais que je ne peux pas faire ça, non? La ferme, stupide idiote, t'es qu'une sale menteuse toute faite. Andy! Écoute-moi très bien. Désormais, tu as tout le temps pour sortir avec qui tu veux dans cette ville. Ça n'a rien à foutre. Je m'en vais d'ici et je sors de ta vie pour de bon. Stupide idiote, n'importe quoi. Dégage! Andy, c'est pas ce que tu penses. Tu as l'air de sortir avec qui tu veux dans cette ville. C'est pas ce que tu penses. Putain. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. J'irai le voir. Je n'ai jamais voulu ce genre de situation. D'accord, mon grand frère, c'est ça? Je vois. Chérie, mais arrête de m'embarrasser, non? Tu sais que je ne peux pas être avec un autre homme, arrête ça. Maintenant, écoute-moi. Je ne vais pas t'écouter jusqu'à ce que tu m'écoutes d'abord. Andy, tu sais que je ne peux pas être avec un autre homme. Cet homme avec qui tu m'as vu, que tu dis que c'est ton grand frère, m'a vu à août et m'a promis de m'aider. Il m'a fait la cour et qu'il m'a demandé si on pouvait être ensemble. Et je lui ai dit que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Andy, écoute. Je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre. S'il te plaît, je t'en prie. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que tu peux me tromper? Où est-ce que j'ai d'un guignol pour toi? Écoute, j'en ai ras le bois de tes conneries. Et puis d'ailleurs, comme tu le constates, je t'en sortir d'ici. Je sors. Andy, écoute. Je t'en prie au nom de Dieu. Je t'aime. Je te supplie au nom de Dieu. Je suis innocente de toutes tes accusations. Je t'aime. Ochez, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, bien sûr. Je t'aime. Alors, laisse-moi tranquille. Écoute, Andy. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, tu le sais. S'il te plaît. Je ne peux pas faire ma vie sans toi. Chérie, peut-être je suis folle, mais je ne peux rien sans toi. Mon Dieu, s'il te plaît, juste... Jessie, je vois que tu es vraiment très amoureuse de moi. Oui. Mais laisse-moi sortir d'ici, d'accord? Laisse-moi sortir d'ici. Mon Dieu, tu ne peux pas me faire... Allez, viens, sortons d'ici. Allons-y, allez, on y va. On y va. S'il te plaît, mon Dieu, c'est moi. On y va, allons-y. Pense à tout, pense à notre passé. Dégage ici. S'il te plaît, prends ça doucement, ok? Les pleurs ne peuvent pas résoudre tes problèmes maintenant. Prie juste Dieu et crois qu'il est au contrôle. Les pleurs ne vont pas résoudre ce problème. Dieu va te donner un meilleur travail. Et il va te donner un homme bon qui prendra soin de toi, ok? Arrête de pleurer. Les pleurs ne peuvent pas résoudre le problème. Les pleurs ne peuvent pas résoudre le problème. Tu ferais mieux de prier. Il te donnera ce que ton cœur désire et fera que tes rêves deviennent réels. Dieu doit le faire, oh. Il le fera. Dieu doit le faire, oh. Dieu va t'exaucer.
je suis la seule. Je suis juste une personne malheureuse. Tu ne l'es pas. Tu es vraiment chanceuse que certaines personnes là dehors. Hein? Mais pourquoi parles-tu comme ça? Tu ne fais plus confiance à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, non? Tu n'as rien fait de mal, ok? Tu n'as rien fait de mal. Dieu sait pourquoi toutes choses se passent ainsi. Ok? Prends ça juste doucement. Dieu doit faire quelque chose. Dieu le fera, ma chère. Tu dois juste prier. Les pleurs ne peuvent rien résoudre. Madame, il y a le feu ici, hein? Désolée, ne t'en fais pas, elle sera bientôt là. Es-tu sûre? Bien sûr. Ah. Hey! Oh, quelle est cette chaleur, non? Hey. Oui, mon bébé. J'étais presque convaincue que je te trouverai ici. Alors, comment vas-tu? Hey! Pardon, venez retirer. Attends, laisse-moi t'aider. Andrew, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches ici? Je suis venu te voir. Me voir pourquoi? Hein? Tu ne me laisses pas tranquille? Sérieux, mais c'est quoi le problème? Va-t'en arrêter de nous embarrasser? Andrew, je vais te faire mal, oh. Andrew, je vais te faire mal. Hein? Tu ne veux pas me laisser tranquille. La dernière fois, je t'ai averti que je serais ta seule copine. Je t'ai demandé, tu as dit oui. Je t'ai demandé, tu as dit oui. Quel est le problème, non? Essaye. Andrew. Je m'appelle Andy, n'est-ce pas? Que ce soit Andy ou Andrew, c'est la même chose. Tu m'as compris? Écoute, ne peux-tu pas être civilisé pour une fois? Andrew, c'est moi que tu traites de villageoise? Non, écoute, Andy. Il est grand temps pour que tu arrêtes tout ce... Que tu arrêtes de comporter comme un homme. Voilà, c'est ça, tout. C'est à moi que tu parles français, n'est-ce pas? Non, mais écoute, tu es vraiment mauvaise. Comment peux-tu me comparer à quelqu'un d'autre qui n'a absolument rien à voir avec moi? Quand tu avais tes histoires d'amour avec elle, ce n'était pas ta copine? Elle n'a plus d'actualité. Et puis d'ailleurs, ce n'est plus du tout ma petite amie. Et qui t'a dit que c'est ma petite amie? Ah. Comment peux-tu me faire de telles propositions? Andrew. Allez, je t'aime et je dépense pas mal d'argent sur toi. Quel argent tu dépenses sur moi? Tes petites miettes que tu dépenses, c'est ça de l'argent? Hein? Tu ne me connaissais pas quand tu m'as rencontré. C'est tout ce que je possède, d'accord? Et je t'aime, voilà pourquoi je dépense tant sur toi. Andrew, combien d'argent m'as-tu donné? C'est justement la chose. C'est ça le problème entre toi et moi. Est-ce que tu comprends ça? Je veux simplement que tu sois engagé avec moi, d'accord? D'accord, je ne veux plus Andrew. J'ai dit que je ne veux plus Andrew. C'est bon. Je ne veux plus. Ce n'est pas le meilleur endroit pour en parler, d'accord? Je vais t'appeler, d'accord? Ne m'appelle pas, oh. Ne m'appelle pas, mon téléphone est perdu, ne m'appelle pas. Salut. Écoute, je t'appelle ce soir. Regarde ses mains, ce pied. Va voir ton otiese, otiese. Je ne sais même pas ce que otiese signifie. C'est otiese, otiese. Pardon, ma tête est prête. Venez la ranger, pardon. J'ai dit que la tête est prête, non? Et alors? Est-ce pour cela que tu vis comme ça? Ce n'est vraiment pas facile pour nous. Tu sais, nous nous sommes plus proches. Ce n'est pas facile, tu le sais. Écoute, tu as même déjà commis une grosse erreur. Pensez à quelqu'un qui n'est même pas ici. Je suis vraiment perdue. Je ne sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdue. Tu ne sais pas quoi faire. Es-tu prête à continuer ta vie? Oui, mais... Au moins, je devrais le voir ou avoir de ses nouvelles. Au moins, quelque chose entre les deux. Ce n'était pas dans mes plans. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Hein? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il n'y a rien de plus à comprendre. Il est déjà marié. Et il voyage même sans t'informer. Qu'est-ce que tu veux encore comprendre? Je pense qu'il y a un peu de vérité dans tout ce que tu as dit. Naturellement, Janice, pense à cela. Je pense que je vais le faire sortir de ma vie.
c'est mieux. Mais la dernière fois que je suis allée chez lui, je suis allée lui rendre visite. J'ai laissé un message vraiment sérieux, alors il devait venir à la maison me voir. Mais il n'est jamais venu, il n'a jamais demandé, il ne s'est jamais inquiété, rien. Je ne sais pas, il n'a jamais été comme ça. Oublie tout. Hein? Écoute, quand un homme ne ressent pas de l'amour pour une femme, il se rassure qu'elle ne viendra plus jamais le voir. Hein? Oublie-le. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire sans toi. Tu vaux mille fois mieux qu'un frère. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bien. En tout cas, quand comptes-tu rendre visite au frère Nejo? Il m'a appelé et il m'a dit qu'il revenait la semaine prochaine. Je suis impatiente de le voir. La semaine prochaine? Ah, il doit déjà venir, hein, parce que il doit savoir que nous sommes trop endettés. Pour tu toi, sais, tout le temps, tu es foiré, foiré. Tu sais que mes poches sont vides, non? Ne t'inquiète pas, tu vas gérer quand il va venir. Définitivement, il viendra la semaine prochaine. Tu sais, il le fera. Il doit venir, il doit venir parce que je suis déjà vraiment fort. Bon après-midi. Bon après-midi. S'il vous plaît, je cherche... Allez là-bas. Ok. Ma soeur. S'il vous plaît, j'aimerais voir la patronne de cette boutique. Elle n'est pas là. Je veux vraiment la voir, c'est ma cousine. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème. Vois le garçon. Le monsieur. Oui, oui, voilà. Ok. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. S'il vous plaît, j'aimerais rencontrer la patronne de cette boutique. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème, monsieur. C'est ma cousine et je veux vraiment la rencontrer. Elle n'est pas là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ne connais-tu pas sa maison? Non, je ne connais pas où elle habite maintenant. Ah, mais tu as dit que tu étais sa cousine. Tu es supposé connaître sa maison. Je connais son ancienne maison. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner son adresse? Un instant, je suis à vous. Merci, monsieur. Tenez. Merci. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Entrez, la porte est ouverte. Bon après-midi, tata. Hein? Où tu es? Tata. Bienvenue. Merci, tata. J'espère qu'il n'a pas de problème. Pas de problème, tantine. Juste que j'étais à ta boutique. Tes employés m'ont dit que tu étais à la maison. Voilà pourquoi je suis venue te voir. Bien, oui. Assois-toi, assois-toi. Merci, tata. J'ai décidé de ne pas aller à la boutique aujourd'hui parce que j'ai besoin du repos. J'espère que tes parents vont bien. Oui, tout le monde va bien. Ok, juste que je veux travailler pour toi, tata. Uchese, est-ce que quelqu'un t'a dit que j'avais besoin d'une vendeuse? J'en ai assez. Tata, je sais que tu n'as plus besoin d'une autre fille pour travailler. Mais écoute, tata... J'ai besoin de ce travail pour oublier un certain nombre de choses. J'ai vraiment traversé beaucoup d'épreuves en très peu de temps. S'il te plaît, tata... Uchese, non. Je n'ai jamais voulu que ma famille s'approche de mes affaires. Tata, écoute, je vais prendre cette affaire comme si c'était la mienne. Et j'y mettrai tout pour ne pas te décevoir, je te le promets. Tu ne seras pas déçu. S'il te plaît, tata. Je t'en prie, j'ai besoin de ce travail. Même si je t'embauche maintenant... Nous fermons tard. Comment pourras-tu rentrer? Tata, cela n'est pas un problème. Où tu es? Je pourrais rester avec toi si jamais cela est possible. Et je peux t'être d'une grande aide. Je pourrais faire la vaisselle, nettoyer la maison et faire d'autres petits travaux. Tata, je te le promets, tu ne vas jamais le regretter. Tata, j'ai besoin de ce travail. Tata. De toute façon, puisque tu es mien, je ne peux pas te jeter. Alors, mon mari n'est pas là ces jours-ci. Tu peux rester me garder compagnie. Ça va. Merci vraiment, tata. Mais tu dois être gentille, hein?
Oui, tata. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, tata. Merci. D'accord. Merci. Bienvenue chez moi. Merci, tata. Tata, écoute, je te promets d'être une très bonne fille. D'accord. D'accord, tata. Je vais te surveiller. Merci, tata. Je vais t'accompagner dans ta chambre. Ok. Juste, va là-dedans. La deuxième chambre. À ta gauche. Ok, tata. Merci. Où sont tes choses, ton sac? Tata, j'irai le prendre demain. Ah, d'accord. Merci, tata. D'accord, bienvenue. Merci. Ha, Uchizi. Ok. Uchizi. Bibi, c'est comment, non? Comment tu vas? Écoute, je t'ai aperçu depuis et j'ai décidé de te suivre. Uchizi, allons, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, Uchizi. Uchizi. Allons, bébé. Pourquoi ne veux-tu pas me donner une chance de causer avec toi? Je t'ai aperçu de loin et j'ai décidé de te suivre jusqu'ici. Merci. Merci de m'avoir vu de loin et de me suivre jusqu'ici. Merci. Écoute, tu sais combien je t'aime. Je veux juste que tu me donnes une seule chance pour prouver l'homme que je suis. Écoute-moi. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste que tu me donnes une chance pour prouver l'homme que je suis. Vas-y. Vas-y, s'il te plaît, attends. S'il te plaît. Il n'y a même pas avec toi. Je t'ai dit que j'étais fatigué de cette relation. Vas-y. Colle-moi la paix. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de Dieu. Après, t'aurais juste que nous avons vécu ensemble. Vas-y, tu ne peux pas me laisser comme ça. Je m'en fous, je t'ai dit que c'était de l'amour. Lui, de l'amour. Même plus maintenant, tu ne comprends pas? Laisse-moi la paix. Colle-moi la paix. S'il te plaît, mon vieux, s'il te plaît. Colle-moi la paix. Vas-y. Vas-y, tu t'en vas. Mais je suis vraiment désolé. J'ai cru que ça pouvait marcher, mais ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas continuer. Je suis désolé. Tu essayes de me dire que c'est fini entre toi et moi? Tu m'as entendu. Je tenais à te le dire, car il vaut mieux pour toi que tu te trouves un autre homme avec qui tu pourras te marier. Johnny. Alors, c'est comme ça que tu me remercies après tout ce que nous avons vécu ensemble? Oh non, je ne t'ai jamais aimé pour de vrai. Je ne t'ai jamais aimé. Tout ce que je voulais, c'était ton corps. Je te voulais juste dans mon lit. T'as compris? Mais je n'ai pas su que les choses iraient aussi loin. Je n'ai pas su. Donc, depuis ce moment, tu m'as menti. Tu sais quoi? Je dois retourner à la maison. J'ai quelque chose de très important à faire maintenant. Tu me laisses pour une autre femme? Je dois partir à la maison. Merci de m'avoir perdu le temps. Merci de m'avoir menti. Merci. 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 Je t'ai dit que je ne te veux pas, ni aucun autre homme dans ma vie. Je suis vraiment fatiguée de tous les hommes. Excuse-moi. Écoute, écoute. Reviens. Je t'aurai.
et c'est ma chérie. Qui est ta chérie? Arrête ça là-bas. Andrew, combien de temps prendras-tu pour que tu viennes me voir? Hein? Un simple appel, tu ne peux pas prendre ton téléphone appeler? Moi, Esso Gane, Esso, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Après tout, tu dois comprendre le genre de travail que je fais. Tu es la première personne à travailler ou la dernière, hein? C'est à cause de ta copine Otiese que tu me vides dans cette ville. Oh, voyons, sois pas si naïve. Arrête tes crises de folie. Toi, tu crois que tu es la seule femme avec qui je suis? Arrête ça. Donc, tu m'as bien regardé. Comme je suis née de la dernière pluie. Tu veux jouer à ce jeu, hein? Comme tu me vois, je suis venue récupérer mes choses. Que veux-tu dire? Je dis les choses que j'ai achetées chez toi, je suis venue les récupérer. Si tu veux m'épouser, va voir mes parents. Je ne suis pas une orange que tu vas sucer et jeter. Ça ne peut pas arriver. Le monde a changé, non? Je suis totalement d'accord avec toi, d'accord? Peu importe ce que tu dis, c'est compréhensible, d'accord? Allez, viens, allons à l'intérieur. Il pleut là. Allons, regarde à l'intérieur. Ne m'embarrasse pas. Écoute, le vaginal, t'as pas besoin d'être embarrassé. C'est que c'est résidentiel. Et pourquoi tu m'as freiné? Voyons, allons à l'intérieur. Il pleut, allons à l'intérieur. Viens me donner mes habits. Arrête ça. Quelle sorte de femme es-tu? Viens, tu me fous la honte partout. Mais c'est quoi ton problème? Je l'aime. Je l'aime tellement. Depuis le premier jour que j'ai posé mes yeux sur elle, j'ai su que j'ai trouvé mon âme sœur. Voilà. Écoute, j'ai envie de lui dire que je ne vais pas la décevoir. Tu veux dire que tu lui as déjà demandé et elle t'a refusé? Oui, je l'ai fait. Non, je sais qu'elle m'aime aussi, mais... elle a dit quelque chose comme quoi c'était trop tôt. Mais notre relation remonte déjà à 3 mois. Je lui parlerai. Mais je ne sais pas pourquoi une fille comme celle-là pourrait refuser une demande d'un mec comme toi. Je ne sais pas, elle a dit quelque chose comme elle a été très déçue par les hommes. Et elle ne voudrait plus que cela se répète. Ah oui, ça c'est vrai mec, c'est vrai. Tu sais, elle est passée par beaucoup et je lui ai déjà dit d'oublier le passé, tu sais. Qu'elle avance avec sa vie, tu sais. Mais je suis sûr que c'est son cauchemar. Tu comprends? Voilà pourquoi je suis venu te voir, parce que je sais qu'elle te respecte beaucoup. Je le sais. S'il te plaît, je voudrais que tu m'aides à la convaincre. Dis-lui que je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup et je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. C'est bon, je lui parlerai. Elle ne m'a jamais rien refusé et je ne la vois pas me refuser ceci. Ok? Je le sais. Merci beaucoup. C'est quoi ce merci? Dégage, mec. Ma bouja, mec. Voyons. Commande encore plus de bière, mec. Ok, tu cours. Ok, viens, s'il te plaît. Faut que je profite de ton argent avant tout. Ne t'inquiète pas. Alors, c'est pour ça que tu es venu jusqu'ici pour me voir? Oui, et c'est vraiment important. Parce que ce gars, il n'est plus lui-même depuis que tu l'as rejeté. Il ne fait que me dire des trucs comme quoi il va se suicider et tout ça. Écoute, Otiese, tu es ma soeur bien-aimée. Tu sais que je ne ferai jamais rien pour te blesser. Je le sais. Et je sais que tu n'as jamais rien fait pour que je ne sois pas content. Bien sûr, tu le sais. Et tu sais aussi que je ne te conduirai jamais dans l'erreur. Je sais, mais tu vois... Mais rien, s'il te plaît, ne recommençons plus avec cette affaire-là. Écoute, oublie ce mec dont tu parles là. Tu es là, occupé, à te tuer pour un mec qui s'en fout pas mal de toi? Peut-être en train de s'amuser quelque part. Écoute, reprends-toi. Évolue avec ta vie. Trouve quelqu'un qui est capable et essaie de voir ce qui se passe. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ça. Oublie ce que je pense et pense ce que tu penses et ce qui est raisonnable à penser. Oublie un peu le passé. Hier est parti. Ce que tu as maintenant, c'est aujourd'hui et demain. Fais le bon choix dans tout ceci. Hein? Sors avec quelqu'un qui est ton voisin. Écoute, Tiese. Promets-moi que tu y réfléchiras. Et que tu me donneras une réponse digne. La prochaine fois que je te reverrai. Ce que je veux dire, c'est que je vais réfléchir à ça. Juste que je ne veux plus jamais commettre une erreur. Tu le sais, non? Tu ne feras pas d'erreur. Je te le promets, je sais que tu ne feras pas d'erreur. Excepté si tu ne l'épouses pas. Là, tu feras une erreur. Détester n'est pas bien. avant de continuer à parler, laisse-moi t'apporter quelque chose à manger. D'accord? Nous allons parler plus tard, d'accord? Toujours aussi nuisible, Tiese. Ce n'est pas ça.
Ça se voit qu'elle a pris sa décision. Oui, allô, bonsoir. Ah, je suis Folale Wadjarebi. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur. Oh, oui. Merci beaucoup, monsieur, pour l'autre jour, j'apprécie. Merci, monsieur. Oh, comment va votre belle femme, madame Titilayo? Ah. Saluez-la de ma part, monsieur. D'accord, monsieur. Hein? Ça va, dites-lui que je serai là demain. Merci, monsieur. Au revoir. Suzy? Oui, maman. Tu as l'air fatiguée. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? D'accord. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Mmh. Uchezé. Tata. Ton frère avait raison. Tu dois laisser ton passé derrière. Et regarder au futur. Sinon, tu vas le regretter. Personne ne peut comprendre ce que j'ai traversé. Je suis sérieusement amoureuse de quelqu'un. Voilà pourquoi je ne sais pas comment faire. Parce que mon cœur, mon âme et mon corps lui appartiennent. Je ne sais même pas où il se trouve maintenant. Mais tu t'écoutais parler là. Je suis très amoureuse du gars. Un gars que tu n'as pas vu il y a longtemps déjà. Sais-tu ce qu'il fait présentement? Sais-tu comment il mène sa vie? Je sais quelque chose par rapport à lui, Tata. J'ai appris qu'il n'est pas marié. Écoute, Tata. J'ai ce grand sentiment que qu'il m'appartient et qu'il va revenir à moi un jour. Mon Dieu, il reviendra t'épouser comme deuxième femme alors que tu as des beaux génomes qui demandent ta main en mariage. Je pensais que tu étais une fille très sage et intelligente. Je ne savais pas que tu étais si naïve. Tu ne peux pas comprendre, Tata. Ce n'était pas de sa faute. Mais je sais qu'un jour, je vais prouver ma folie au monde entier. Oh, allez, réveille-toi. Je ne voudrais pas te dérouter. Juste écoute ce que ton frère et moi t'avons parlé. Hein? Ah, comment peux-tu perdre ton temps à attendre un certain couplier qui t'a brisé le cœur et disparaître dans l'espace? Tu dois y réfléchir. Pourquoi non, Tata? Je suis vraiment perdue. D'accord. Vas-y. Sois plus confuse. Tout ce que je sais, c'est que je ne te disais jamais. Et regarde-toi. Veux-tu prendre quelques morceaux? Bien sûr, Tata. Oui, tu veux. Allez, 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 viens prendre quelques. Je sais que tu aimes bien aller droit au but. Je t'ai compris. Mais par moments, tu vis aussi. Tu aimes aussi bien ça. Tu dis qu'elle t'a écouté. Mais je te dis, elle me refuse rarement les choses. Oh, merci beaucoup pour ton soutien. Tu sais, tu feras de moi l'homme le plus heureux de ce monde.
Vraiment? Ouais. Mec, je t'en fie, hein. Oh, bien sûr, gars. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Très bientôt, je serai proclamé l'homme marié le plus heureux. Écoute-moi ça. Voulez-vous prendre madame telle, telle, telle comme votre amour et votre épouse dans la maladie et dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Qu'est-ce que tu diras? Et je dirai, oui, je le veux. Et le pasteur dira, vous pouvez embrasser la mariée. Et je dirai ceci, mesdames et messieurs, les gars et les filles, l'Afrique et le monde entier, applaudissez pour le couple de l'univers. Non, l'Afrique et le monde entier, applaudissez pour le couple de l'univers. Non, on fera ceci. Aïe. Je suis vraiment très content, tu sais. Mais honnêtement, cette fille compte beaucoup pour moi. C'est pour cela que j'ai pensé, avec joie, que tu devrais être avec une chaise. Ouais, je suis content parce que tu es un bancard. Je te l'ai promis, je prendrai soin d'elle. Je sais. Les gars, arrêtez un peu ça. Ne voyez-vous pas que nous sommes dans un lieu public? Vous semblez être perdu avec votre amour. Gars, je suis désolé, d'accord? Comme tu peux le voir, je suis perdu. Elle est encore devenue plus belle qu'avant. Ok, mais pourquoi t'attends pas pour aller à la maison et puis découvrir ce qui se cache? Tu auras plus de temps, tu vois ce que je veux dire? Personne ne va découvrir l'autre parce que je vais rentrer à la maison ce soir. Hey, ne me dis pas que tu es sérieuse. Parce que je vais dormir chez toi si tu... Non. Allez, mais tu sais que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Je vais à la maison. Prétentieuse. Maintenant, dis-moi que tu n'as pas envie d'aller avec lui à la maison. Je ne veux pas aller à la maison avec lui. C'est tout ce que tu aimes. Les femmes. Hé, il n'y a que moi qui puisse se prononcer sur ma joie. Abby, ton joyau, c'est ça? Joyau, désolé. Oh. Honnêtement, je ne t'ai pas dit merci de m'avoir accepté comme ton partenaire dans ta vie. Et je voudrais te promettre ici, devant Dieu et ton frère, que je ne ferai jamais rien pour te décevoir. Merci beaucoup. Je voulais te remercier pour ce que tu feras pour moi quand je vais devenir ta femme. Oh, merci. Santé. Pour ton combat. Toi, tu aimes trop me taquiner, toi, là. T'aimes ça. Je suis impressionné. Bébé, ne fais pas ça. Ça, c'est quel chat de papier qu'on se rend? Non, c'est pas ce que tu crois. Ce sont les papiers de toilette. S'il te plaît, essaie de te taire et mange. Hey! Tu aimes ça? Hey! Quoi? C'est quoi ça? C'est la fiesta! Hein? C'est un gâteau! Quelle fiesta? J'ai cru que c'est la salade avec tous ces feuilles vertes à l'intérieur. J'ai cru que c'est la salade. Ça s'appelle fiesta! Dire. Comment tu peux me dire que c'est trimestre? Trimestre, c'est comme un petit cheval à l'école tout le temps. Toi, tu veux me dire que c'est. Tu me donnes siesta? Ça, c'est. C'est fait pour le dessert, d'accord? Mélange avec des épices. Écoute, ne m'embarrasse pas. Hey! Ça s'appelle fiesta. Tu veux m'empoisonner? Ton plan ne va pas marcher. Tu m'as amené manger quel genre de choses comme ça? Hein? Quand je te dis qu'on va chez maman Nounou, elle va bien faire cuire ceci. Bien le cuire. Ceci n'est pas cuit. Tu veux m'empoisonner? Mais c'est quoi cette histoire d'empoisonnement que tu me sors là? Hein? Très bien, ne t'en fais pas. Je vais t'amener dans un autre restaurant, c'est ce que tu veux? C'est là-bas que je vais aller. Alors prends ceci, mange ça. Pourquoi est-ce que tu m'embarrasses? C'est pas l'endroit pour faire tout ceci, d'accord? Arrête de te comporter comme ça. Hein? Mais écoute, c'est pas parce que je t'aime que je vais accepter toute ta connerie, d'accord? Bon, d'accord, calme-toi, c'est bon. Look.
Merci. Merci de m'avoir accepté. Tu sais, maintenant je peux dormir avec les deux yeux fermés. Tu dormais comme avec les yeux avant. Tu ne sais pas combien de nuits blanches m'a fait passer. Tu peux maintenant m'avoir. Je suis toute à toi. Je ne peux pas te manger et t'avoir encore. Pour moi maintenant, je veux que tu te mettes à l'aise, que tu prennes plaisir, vivre notre vie ensemble et t'avoir dans mes objectifs jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aucun homme ne pourra jamais donner à une femme un appui éternel. Alors garde tes promesses. Je déteste les hommes. J'aurais souhaité ne t'avoir jamais rencontré. Hey, que vas-tu encore croire? Mais je pensais qu'il faut se dire la vérité avant. Hein? Oui, mais je crois encore que je ne devrais pas donner une autre chance à un homme dans ma vie. Parce qu'ils ont toujours des peines et des troubles émotionnels à offrir à la fin. Oh, voyons bébé, tu ne dois pas parler comme ça. Tu sais combien je t'aime. Je t'aime énormément. Je t'aime de tout mon cœur. Écoute, je veux juste qu'on soit ensemble. J'ai envie de te montrer la véritable signification de l'amour. Je veux t'avoir dans mes objectifs. Je voudrais te traiter comme une reine que tu es. Ok? Et je voudrais te promettre que l'amour que j'ai pour toi vient du plus profond de mon cœur. Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais t'aimer le plus longtemps possible. Je t'aime bien. Les bonnes choses. Ah, mais non, voyons. C'est pour ça que je t'ai amené ici. C'est tout à toi. Vas-y, fais ta plaisir. Prends ce que tu voudras, d'accord? Je paierai. Vas-y. Prends tout ce qui te plaira, d'accord? S'il vous plaît, que du bon. D'accord. Pour elle. D'accord. Wow. Est-ce que c'est ma taille? C'est votre taille. Oui, c'est ma taille. Bien. Andrew, regarde ceci. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Regarde les fleurs. Ok. Wow. Le papillon. Le papillon. Regarde ceci. Andrew, regarde ma couleur. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Ah, c'est bien. Ouais, super. Tout ça pour moi, ceci est très joli. Hey. Ceci est bien. Andrew. Aide-moi à récupérer cette chaussure. La blanche. Ah, d'accord. La coupe. Dis-moi, combien est-ce que ça coûte ça? Combien, oui, c'est ma pointure, c'est ma pointure. Celui-ci. Oui. Ah, je n'ai pas encore fini, non? Ah, d'accord. S'il te plaît, donne-moi ce sac. Je cherchais ce sac depuis. Hey, apporte-le. Est-ce nécessaire? C'est nécessaire. Oui. Oui, c'est ma pointure. C'est ma pointure. Ah, Andrew, le mariage que je te fais pas. Où est la deuxième paire? C'est accroché. Le mariage dont je te fais pas, c'est ce que je vais porter. Chérie, donne-moi la ceinture là-bas. Celle du haut. Celle-là. Andrew, ce n'est pas bien. Peut-on maintenant aller à la caisse? Parce que je veux juste savoir combien tout ça me coûte. Andrew, tu as dit que tu étais prêt pour ça. Non. S'il te plaît, apporte-moi cette chaîne. Tu peux pas te prendre. Quelle habit? La verte. Tu ne vois pas que je dois porter le vert et le blanc. Oui, celui-là. Tu m'as pas dit que tu en prendras plus. J'aime ça. Apporte aussi le blanc.
Ce n'est pas chez nous, regarde. Attends, s'il vous plaît, peut-on aller à la caisse maintenant? Essaie, attends, écoute. Il faut que tu sois discrète dans ta sélection, d'accord? Oui. Est-ce que ça vous va? Regarde, apporte-moi ce manteau. C'est pas par-dessus, ça c'est autre chose. C'est la même chose, apporte ça, c'est ce que je vais mettre avec ceci. Mets ça sur moi, ne fais pas que ça tombe. Quel enfant est... Non, ça va. Pardon. Qu'en est-il de ce jeu? Andrew, en effet, je pense qu'on t'a payé ce que j'avais arrivé. Mais je n'ai pas fini. Regarde. C'est bon, je sais. Bon, venez une prochaine fois, d'accord? Andrew. Il y en a d'autres fois, d'accord? Andrew, tu as dit qu'on vient faire du shopping, mais je n'ai pas encore fini. Non, regarde, je n'ai même pas encore acheté quelque chose. Mais nous faisons nos comptes, d'accord? Évidemment que je t'aime. Mais tu as dit que tu étais prêt pour ça. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu ne me comprends pas, bébé. Je t'aime. Essayons de voir ce que tu veux. Éprouve cet amour, non? Peut-être qu'on va passer à la caisse. Et ensuite, je prouverai mon amour, d'accord? Andrew, je veux revenir ici demain. Je veux revenir ici. J'ai déjà parlé, fini. Sans aucun doute. Allons-y, non. Ok. Bonsoir, maman. Bon après-midi, tata. Bonsoir, vous êtes bienvenue. Tata, je te présente mon ami dont je t'ai parlé avant. Chérie. Oui. Je te présente ma tante. Oh, c'est un réel plaisir de vous rencontrer. Merci. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes la bienvenue. Merci. Assieds-toi. Oh. Pourquoi ne le cherches-tu pas quelque chose à boire? Ok, je reviens. Ok. très belle maison, maman. Vous êtes fantastique. Oh, merci. Tu t'assois de ce côté? Ah non, c'est gentil. Je me sens à l'aise ici. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Reviens ici! C'est quoi cette situation? Qu'est-ce que tu as trouvé? Reviens ici! Donc, tu vas te punir! Tu vas te lâcher tes amis, non? Tu vas te punir! Regarde-moi! Et romantique. N'est mon genre d'homme. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne se fasse trop tard. Il a besoin d'une femme comme moi. Pas cette petite marionnette. Un homme n'a jamais refusé mes avances. Donc il ne sera pas le premier. Je dois l'avoir par tous les moyens. Et à tous les prix. Qu'est-ce qu'elle veut? Allô?
Oui, Hugo, c'est moi. Papa, s'il te plaît. Dieu merci, tu as enregistré mon numéro. Oui. Hugo, qu'en est-il de notre causerie? Je t'ai dit que ça ne peut pas marcher. Écoute, Hugo, je suis une femme déterminée. Et je crois que j'ai été assez claire. Arrête les bêtises. Nous en avons parlé. Écoute, écoute, tu sais que ma petite amie travaille là-bas. Rien ne peut se passer. Elle ne va pas nous découvrir. D'accord, d'accord. Quand? Et comment? D'accord, 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 d'accord. Laisse-moi chercher une place. Une bonne place, du moment où tu nous connais. Oui. Ne te dérange pas, ne te dérange pas, je vais payer les factures. D'accord. Rencontrons-nous à l'hôtel Tania. Pardon, la maison des invités de Tania. À 7h du soir. Comme convenu. Merci, je t'aime. Ok, au revoir. Allô? Allô? Je le savais. Je savais que ça allait marcher. En train de voir. Joe, oh tiens, je suis très contente de te voir. Vraiment, hein? Comment vont les choses? Je vais bien, je suis juste venue ici pour faire quelque chose. Joe, je te présente mon cousin Marc. Marc, je te présente mon Joe, gars, mon ami. Je vais te rencontrer. Enchanté aussi. Donc, où tu es, je commence pas à te soupçonner ou... Je commence pas à te soupçonner ou... Mais comment c'est, pourquoi non? Pourquoi non? Ok, maintenant... Tu suspecté de quoi? En tout cas, voici ma petite amie. Ma reine africaine, elle met tout le bébé mon miel. Elle est très belle. Merci. D'accord. Enchanté. Ok, où est-ce que vous allez? Je vais sortir avec elle. Y a-t-il un problème? De problème, ça c'est très joli. Ah, où tu es, nous te regardons, fais attention. Fais attention. Ok, c'est joli. Hey, ça dit quoi, mec? Je suis là, mec. Ça dit quoi? Merci d'être venu, attends, mec. Mort. Merci. Alors, c'est quoi cet appel urgent? Mec, je suis dans un dilemme. T'as un problème avec la police? Non. Quelqu'un voudrait détruire l'amour que j'ai décidé de construire entre ta sœur et moi. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne voulait plus se marier? Non. Ce n'est pas cette femme avec qui elle travaille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voudrait que je devienne son amour secret. Tu n'es pas sérieux là. Cette femme semble être responsable pour faire de telles choses. Souviens-toi du jour où je t'ai dit que je m'en vais lui rendre visite pour la remercier pour avoir convaincu ta sœur de m'épouser. Ouais, je me souviens. Mec, je suis arrivé là-bas. Elle a commencé à me faire des avances, tu sais, le genre de choses que... Et je lui ai dit que je suis sincèrement amoureux de ta sœur.
Et elle m'a répondu qu'elle est mieux formée et plus belle que ta sœur. Tu imagines ça? Elle doit perdre la tête. Exactement. J'imagine qu'elle est fatiguée de bosser avec ma sœur et elle cherche justement un problème dehors. Je pense. Mais quelle que soit la raison, je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle voudrait que je devienne son partenaire ou qui que ce soit. As-tu déjà dit cela à ma sœur? Voilà le problème. C'est pour cela que je t'ai appelé. Je ne sais pas comment le lui dire. Que veux-tu dire par « tu ne sais pas comment le lui dire » Vaut mieux que tu le lui dises maintenant avant que quelqu'un d'autre n'aille le faire à ta place. Tu me comprends là? Écoute, souviens-toi qu'elle t'écoute beaucoup. Mais je voudrais bien que tu lui parles. Je voudrais que tu lui parles à ma place, s'il te plaît. Mais ça peut pas être maintenant. Je dois vite rentrer à la boutique parce que j'ai un certain client dont je dois m'occuper. En soirée, je reviendrai, on pourra avoir une discussion plus poussée. Ok. Donc, ça marche. Attends-moi juste et après 18h, je vais t'accompagner. C'est comment ça alors? Ça dit quoi? Comment vont les affaires chez toi? Je savais que cette histoire était si unique. Une histoire pleine d'amour. En particulier dans... Qu'est-ce qui va pas avec toi? Hein? Ne dérange pas que c'est le salon ici. Qu'est-ce que tu as dit, non? Qu'est-ce que je t'ai fait? Écoute, sors d'ici avec ces choses, balance ça dans ta tête et puis arrête de faire de mettre partout. Andrew, qu'est-ce qui te dérange? Tu as rêvé de moi? C'est comme ça que je crachais la semaine passée? Si ce n'est pas cette typhoïde qui me fatigue, tout mon corps me fatigue. Et ma bouche est amère. Ma bouche est amère n'importe comment. Écoute, je t'ai dit, oh, si tu sais que tu es fatigué de moi, prends-moi, arrange-moi, tu vas me remettre chez mes parents, oh. Mais t'as quoi, ouais, oh. Des fois, je me demande d'où est-ce que tu sors. En fait, je ne suis même pas sûr que c'est la typhoïde. Je commence à te suspecter parce que je ne me souviens même pas de la dernière fois que nous avons couché ensemble. Hey! N'importe quoi. Docteur Andrew! Donc tu es devenu le docteur pour examiner si crache c'est de la typhoïde ou pas? Hein? C'est moi qui ai la typhoïde, je sais comment je me sens. Les Yoruba disent que celui qui porte sa chaussure sait comment ça le sert. C'est moi qui sais ce que je ressens. Toi qui dis que tu es mon mari, pourquoi m'as-tu pas amené à l'hôpital? Inutile. Oh, mais maintenant tu comprends que c'est de ma responsabilité de te conduire à l'hôpital. Hein? Si tu m'avais tué ce jour où tu me suivais partout dans le quartier, je me demande bien que tu aurais conduit à l'hôpital aujourd'hui. N'importe quoi. Je pense que tu perds la raison. Hein. Andrew, ne me cherche pas, oh. Andrew, ne commence pas, oh. Maintenant qu'on a choisi de faire la paix, tu veux recommencer, n'est-ce pas? Tu recommences. Andrew, viens m'amener à l'hôpital, oh. Chérie? Il y a quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce que c'est? Je sais comment tu vas te sentir si je te le dis. C'est à propos de madame. Elle me fait la course depuis. Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu imaginer une chose pareille? S'il te plaît, je n'ai vraiment pas envie de parler de cette femme qui a été très bonne envers moi. S'il te plaît, changeons de sujet, je t'en prie. Je veux que tu me prêtes oreille et écoute ce que j'ai à te dire. Je t'ai dit que je ne veux pas parler de ça. Fin de discussion. Ok. Je ne vais plus te parler de ça, si tu le dis. Bien. Alors, quand est-ce qu'on va faire du shopping? Quand est-ce qu'on ira faire du shopping pour notre enfant? Mais t'es amusant. Nous ne sommes même pas encore mariés. Nous n'avons pas encore planifié avoir des enfants. Et tu es là me parlant d'aller faire le shopping pour les enfants. Hey, écoute. Je veux que tu me donnes une belle fille. Une fille qui sera aussi romantique que toi. Tu n'es pas sérieux, c'est vrai? Bien sûr que oui. Allez, parlons de façon sérieuse. Tu ne m'admires pas du tout. Si je ne t'admire pas, qui d'autre vais-je admirer? C'est pour ça que tu es ma petite amie. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Ouais. Je
C'est prêt? Oui, maman. D'accord. Donne à Chima. Demande-lui de m'appeler. Ok. Qu'en est-il du chèque? Demande-lui de signer un chèque de ma part. D'accord. Bye-bye. Bienvenue, beau jeune homme. Bonsoir, maman. Bonsoir, sois la bienvenue. Merci. Prends place. Et qu'est-ce que je peux te faire? Oh, merci beaucoup, maman. C'est vraiment très gentil de votre part. J'ai appelé à la boutique et elle m'a dit qu'elle sera à la maison. Voilà pourquoi je suis venu directement l'attendre. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et prendre quelque chose? Je suis vraiment désolé. Peut-être que je devrais l'attendre. Non, juste assois-toi, hein, pour l'attendre, d'accord? Je suis désolé, maman. Je dois partir. Oh, allez, relax, hein. Tu peux aller dans ma chambre et te mettre à l'aise. Je suis même seule à la maison présentement. Maman, je t'ai dit avant que je ne suis pas intéressée. Pourquoi ne cherches-tu pas ailleurs? Je veux dire, suis-je le seul gars que tu as vu? Bien, vous n'êtes pas le seul au tout, mais vous êtes l'élu. Celui de mon cœur. Allez. Eh bien, comme je te l'ai dit, je ne suis pas intéressée. Tu comprends ça? J'ai dit que je n'étais pas intéressée, non? Hein? Est-ce que je suis ton égal? Ne connais-tu pas ton égal? Quitte ma maison, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu insinuer? Je ne suis pas ton égal. Va chercher les gens comme toi. Quitte ma maison et fiche-moi le camp. Que se passe-t-il ici? Tu veux que j'utilise la force? Va-t'en! Écoute, chérie, va à la maison. Je viendrai te voir après. Quel qu'en soit le problème, va d'abord à la maison, je viens trop tôt. Va, dis donc. Va. Ah, qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, vas-y, s'il te plaît. Je ne suis pas intéressée, c'est forcé. Connerie. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je viens de te voir tout à l'heure. Je vais bien. Un problème? Rien d'important. Je me suis engagée à venir m'asseoir avec toi si ça ne te gêne pas. C'est ça? Je ne t'ai pas dit que je voulais une compagnie? Hey, Isiogene! Hein? Vous, ces jeunes gens, c'est comme ça que vous vous comportez? N'es-tu pas fier qu'une belle fille soit venue te voir? Peu importe. Mon nom, c'est Isiogene. J'espère que tu n'es pas en train de m'embarrasser. Siogene, qu'est-ce que tu veux dire embarrasser? Gare. Quand tu me vois comme ça, je peux te gérer. Je peux t'arranger, te mettre au niveau que tu vas dépenser les gardes de cette ville. Mais je ne t'ai pas dit que je voulais quelqu'un pour prendre soin de moi. Pardon, laisse ça. Pardon, laisse ce que tu es en train de me dire. Hein? Écoute, grandis. Regarde ta couleur, regarde la mienne. Regarde comme ça donne. Hein? Je veux qu'on fasse les choses ensemble. J'espère que tu es à la hauteur de la tâche. Oh, je suis prête. Comme tu me vois, je suis très prête. Parce que de mon côté, je suis serré. Et mon côté ne va pas couler. Oh. Ah, écoute, comme je suis là, non. Le mien est serré, Gitigwam. Pas de recul. Ok, dans ce cas, comment pouvons-nous rencontrer encore? Habitué dans les environs. Oui, bien sûr. Ok. Ce que nous allons faire, hein? Tu vas me donner ton numéro, je te donne le mien. Ok, tu as un numéro. Donne-le-moi alors. Attends, que je te prenne une pause. As-tu déjà vu ce genre de téléphone? Très amusante. Souris. Hey,
garçon. J'espère que tu n'es pas en train de me taquiner. C'est la caméra. D'accord, prends mon numéro. Ok. 080 080 23 23 24 24 5482 5482. Esogene. C'est Jim Mobile. Ok. Bip moi. Esogene. Oui, bip moi. Donc, tu n'as pas de crédit? Tu vois ce que j'ai dit? Si tu es avec moi, je vais t'arranger. Tu n'auras pas ce genre de problème. Hein? Attends qu'on arrive dehors, je te fais un transfert. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand je vais te faire cela, n'utilise pas ça pour l'appeler. Moi, je suis provoquée. Non, aie confiance en moi. Aie confiance en moi, non. Alors, tu m'as pas dit ton nom. Ok, je m'appelle Jonathan. Et mes amis m'appellent Joe. Jonathan. Oui, grand Joe. D'accord. Le grand Joe. Le grand Joe. Ah. Oh mon Dieu. Tu veux dire, Ogo, tu l'as fait? Regarde-moi la malchance. Parce que j'ai refusé ses avances, il a commencé par m'embêter inutilement. Tout ce que j'avais à faire, c'est de le chasser de chez moi quand ta soeur faisait ça. Ah. Dieu merci, je suis une femme décente. Les merveilles ne cesseront pas. Mon cher, tu dois te rassurer hein, à qui tu donnes ta soeur en mariage. Parce que les hommes ne cesseront de m'étonner ces jours-ci. Je dois aller à la source de cette affaire. Je veux écouter ce qu'il a à dire de ceci. Bien sûr, tu le sais qu'il va te dire des mensonges. Il ne te dira jamais la vérité. S'il vous plaît, madame, je ne voudrais pas que vous soyez emportée à cause de cela. Je vous en supplie. Non, ça va, ça va. Je te remercie d'être venue. Ah, merci. Je vous remercie pour votre maturité. Que dois-je faire? Alors, je dois partir maintenant. D'accord, mon cher. Tu es la bienvenue. Au revoir, madame. Bye. S'il te plaît, tu dois m'écouter, ok? C'est une menteuse. Non, tu es la seule personne qui m'a menti. Je ne vais pas rester ici et écouter ta vie. Je m'en vais. S'il te plaît, bébé, écoute-moi. Bébé, tu dois m'écouter. Je n'ai rien fait de tel. C'est une menteuse. Pour qui est-ce que tu m'as pris? Pour une orange que tu suces et tu jettes n'importe comment? Écoute-moi. Mon Dieu, ça changera de vous payer tout ce que vous les hommes avez fait subir, spécialement toi. Reste hors de ma vie. Reste très loin de moi. Sinon, tu seras responsable de ce qui va t'arriver. Pour la raison que tu ne te seras pas éloigné de moi. Bonne journée. Écoute chérie, tu ne dois pas me rejeter comme ça, ok? Tu ne dois pas laisser quelqu'un se mettre entre nous. Je sais que je t'ai fait de la peine, mais ce n'est pas de ma faute. Reste loin de moi, tu es un démon. Va-t'en. Écoute bébé, et pour le mariage, et pour l'amour que je ressens pour toi, tu sais que je ne peux rien savoir. Va en affaire avec l'amour et le mariage. Va en affaire avec. Il y a une... et 1000 femmes que tu peux très bien épouser là-bas dehors, y compris ma tante. Excuse-moi. Écoute, dégage. Thank you.
comment tu te sens? Oh, je ressens ça. Hey, c'est toi le vrai gars. Tu sais le faire, tu sais comment me toucher. C'est mon affaire. Oh. Attends, je regarde. Hey. Ah, c'est quoi? Oh, ouais. Pardon, continue ce que tu es en train de faire. Yeah. Attends. Quel est ton problème? Hein? Qu'est-ce que tu cherches ici? Dans la chambre de mon propre petit frère. Il semble que tu es malade. Jeune homme, qui es-tu? Hey, c'est le neveu de mon cousin. Je m'appelle... Jonathan. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Donc, c'est cette question que tu es venu de ta maison, n'est-ce pas? Écoute que je te dise maintenant. Que tu prennes tes deux pieds. Tes deux maigres pieds que tu es venu de chez toi avec. Retourne avec. Ferme ta bouche et arrête de me parler de cette manière. Je veux m'adresser à toi de toutes les langues françaises que je veux. Tu m'as compris? Attends que je te dise une chose, hein? Que tu ailles dire à Andy, ton frère, que vous vous êtes battu pour m'épouser dans cette maison. Et dire à ta soeur qui le conseille, hein? Et toi aussi, vous deux, trois, vous tous, c'est honteux pour vous. Oui. Je ne suis pas ici pour écouter ta foutaise là. Où est mon frère? Tu l'as vu ici là? Il a du problème. Andy est dans une démerde. Franchement, je me demande ce que fait Andy avec une femme comme toi. Annieux, s'il te plaît pas. Pas, tu n'es rien d'autre qu'une folle. Annieux. Regarde, tu es venu te demander l'argent. L'argent que tu vas aller épouser la femme avec. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Pourquoi? Toi, mais tu n'as même pas de cœur. Même quand je parle, tu ne peux pas activer le feu à moi. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu es peureux comme ça? Pardon, calme-toi. Si tu ne fais pas mon gars, s'il te plaît. S'il te plaît. Continue. C'est comme ça qu'ils font. Les gens de cette famille, hein? Ils vont venir demander de l'argent. L'argent qu'on peut donner à quelqu'un pour faire le shopping. Ils vont venir demander de l'argent. Demander. C'est ce qu'ils font souvent. Oh, s'il te plaît, continue à masser mes pieds. Madame, c'était quel pied? Celui-ci ou l'autre? Pardon, continue. Oui. Hey. Ça t'a fait beaucoup de oui. bien. Oui. C'est trop bien. Hey. Aïe. Hey. Oh. Oh, Dieu merci, j'ai un homme à la maison qui sait comment me masser les pieds. Hein? Oh, c'est le niveau, tu sais, peux comprendre faire. Cela. Ressentir cette fraîcheur de la jeunesse, ça fait beaucoup de bien. Attends que j'aille regarder si ta nourriture est prête. Ok, madame, j'ai compris. Ça, c'est notre terre. Regarde, c'est de cette fille que je t'ai en train de parler tout à l'heure. Regarde. Ochese! 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 S'il te plaît, viens. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, Chesé, s'il te plaît, ne te fâche pas. Écoute, c'était pas la meilleure façon d'agir à propos du malentendu entre mon frère et toi l'autre jour. Je ne te comprends pas. Pas du tout. Ne te fâche pas. S'il te plaît, calme-toi. Oh, Chesé, calme-toi. Tu vois, mon frère n'est même plus l'ombre de lui-même. Tout ça parce que tu l'as abandonné. Et lui, il t'a pas dit qu'il a essayé de coucher avec ma patronne? Peut-être que je ne t'ai pas assez bien pour lui. Tu sais, toi et moi le connaissons bien. C'est une raison pour le faire confiance. Écoute-moi. Et écoute-moi très, très bien. Je t'avais dit, Hugo et ta famille, de rester, vous tous, restez très loin de moi. M'as-tu compris? Écoute, restez loin de moi. S'il te plaît, ne te fâche pas. Baisse ton tonon. Je t'en prie, ne te fâche pas. Vous tous, restez loin de moi, oh. Écoute, restez juste loin de moi, sinon je vous fais quelque chose. Restez très loin de moi, n'importe quoi. Restez loin de moi, hein? Ça signifie quoi toutes ces bêtises? Hein? Comment une fille comme moi t'insulte juste devant moi et tu la laisses partir juste comme ça? Nina, c'est pas comme ça. C'est pas ce que tu penses. Elle est la fiancée de mon grand frère. Et puis quoi? Voilà pourquoi elle doit t'insulter. Oh, Gana, waouh. Je ne peux pas le faire ici, oh. Ah, ah. Mais on appelle nos gens s'ils commencent. On veut même dire quoi ça? S'il te plaît, dis à ton frère de la laisser. Que je me calme, elle vient de porter ta mine avec le jour. Toi aussi, calme-toi, tu ne comprends pas. C'est ça, c'est ça. Ah.
Gona, qu'est-ce que tu es en train de te faire? Regarde ce que tu es en train de te faire. Où est passé l'homme en toi? Hein? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Hein? Quand ta sœur ne veut pas m'écouter, je n'ai pas de choix. Écoute, Nedo, si elle ne me revient pas, je vais me suicider. Écoute, ton vœu, tu te tueras. Mais où est passé l'homme en toi? Tu as besoin d'être vivant pour te marier, tu le sais, pas? Alors si tu meurs, qui est-ce qui l'épousera? Oublie ça, mec, sois juste un homme, sois fort. Reprends-toi là, cesse d'être un poulet, mec. Reprends-toi, mec. Ok, tout ira bien. Tu y es le contenu. C'est pour cela que t'es le mec, ok? Tu sais combien je l'aime. Je sais. Mon monde est incomplet sans elle. Je sais. C'est pour cela que j'ai dit que tu es le contenu, mec. Reprends-toi. Je lui parlerai, ok? Ok. Allons, partons d'ici. Madame, elle est là? Non. Elle sera de retour un peu plus tard aujourd'hui. Outiese, tu vois ma chère sœur, tu sais, je ne te mentirai pas. Oui. Tu vois, ce qui s'est passé n'était pas de la faute de ton fiancé. Je sais que tu ne peux que le supporter parce que c'est ton ami. Non, il n'est pas question de le blanchir, non. Tu vois, ta patronne nous a menti. Elle a essayé de le séduire. Et quand il a refusé, elle a donc décidé de lui faire un chantage. Tu sais, elle a peur qu'il le dise à tout le monde. C'est pourquoi elle ment. Elle ment. Ne vois-tu pas? Je ne sais pas quoi ou qui croire encore. Oh. Crois juste à moi. Je ne te mentirai jamais. Mais ce jeune homme a perdu la foi. En fait, ce jeune homme est... Il est émotionnellement à terre. Son état n'est pas du tout stable. Je veux dire, juste à cause de toi. Outiese, s'il te plaît, essaye de lui rendre visite. Va juste le voir. Peut-être juste pour moi. S'il te plaît. Mais je te l'ai dit, non. Je ne suis vraiment plus intéressée. Ok. D'accord. Je vais essayer de le voir. Juste pour le voir. Il n'y a rien. Merci beaucoup. Ok? Ça, c'est ma fille. C'est mieux maintenant. Écoute, il faut que je parte maintenant. Je veux pas que ta patronne me trouve ici, ok? D'accord. Prends soin de toi et sois une bonne fille. Ok? J'ai compris. Je t'ai dit, il n'y aura rien. Je suis sérieuse. Okay, d'accord. Bye bye. Ça fait un bail. Oh, et ça, comment tu vas, Jesse? Je sais que tu es fâché.
Mais c'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute-moi. Il n'y a plus rien entre nous. Écoute, Andy. J'ai accepté la rupture de paix dans ma vie. Et j'essaie de vivre avec. Mais tu sais, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que j'étais à côté du tort. Mais tout ce que je te demande, s'il te plaît, c'est de me pardonner. Pardonne-moi. Il n'y a rien à te pardonner. Ok, d'accord, sans problème. J'ai besoin de toi plus que n'importe quoi. N'importe quoi. À l'instant, je te parle là maintenant. Dès que j'ai découvert la vérité, je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché dans toutes les villes. J'ai cherché partout, c'était possible. Vas-y, arrête ça, non. Arrête ça, s'il te plaît. D'accord, très bien. S'il te plaît. Pour moi, laisse-moi te déposer, d'accord? Je suis ton ami au moins. N'est-ce pas? C'est un très bon ami. Merci beaucoup. Chaisé, écoute, tu dois trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Te pardonner? Seul Dieu qui peut te pardonner, moi je n'ai vraiment rien contre toi. Restons amis. Mais Chaisé, je sais que j'ai fait une très grosse erreur. Dès le tout premier jour, où je ne t'ai pas cru. Je n'ai pas pensé que ma vie pourrait toujours être aussi misérable. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaisé, lorsque tu m'as quitté, je suis retourné avec, c'est quoi son nom, Esse. Et Esse m'a obligé à l'épouser. Et tu connais la meilleure? Depuis que j'ai épousé cette fille, ma vie est devenue un cauchemar. Je suis surprise. Je suis surprise de toutes ces belles femmes qu'il y a dans ce monde. Et c'est cette malade et saleté de femme avec qui tu as choisi vivre. D'ailleurs, c'est ta vie, assez. Je n'ai vraiment pas de choix. Je m'en veux pas. Tu as certainement une option pour l'amour de Dieu. Oh, je ne voulais pas te crier. Je suis bien. Voyons, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas mieux de se faire crier dessus lorsque quelqu'un fait une erreur? Plutôt que d'être poursuivi par la personne tout le temps. Elle est mauvaise. Bien sûr. Écoute, Jésus, mes yeux ont déjà vu l'enfer. Tu ne me crois pas. Hé, voilà pourquoi il faudrait que je demande un divorce. As-tu un enfant avec elle? Aucun enfant. Et c'est la raison pour laquelle je dois la quitter. Très malheureusement. La nature ne voudrait certainement pas que nous soyons ensemble. Non, écoute. Non, c'est pas vrai. Oh. Que soit la nature, écoute-moi. Que soit la nature ou la science, cela ne doit pas nous empêcher à trouver notre bonheur. Tu comprends? S'il te plaît. Tu dois être un blagueur. Oh bébé, s'il te plaît. Je commettrai un souci si tu ne m'épouses pas. Tu ne me crois pas. Ça ne va pas dans ta tête. S'il te plaît, au revoir, pardon. Je ne sais pas, Chaisé. S'il te plaît. Tu pars rentrer? Eh, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'as pas envie de rentrer? Ah, ma chérie, quand tu fais cet air bizarre là, qu'est-ce qui se passe? Eh? Parle-moi non, eh? Tu sais, on dit un problème partagé à moitié résolu, eh? Esther, je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. Et qu'est-ce qui t'arrive? Aucune de mes relations amoureuses n'a fonctionné. J'ai eu beaucoup de difficultés. Différentes relations amoureuses. La dernière ne date pas de longtemps. Jusqu'à ce que mon gars allait coucher avec ma patronne. Cela ne m'a vraiment pas fait mal. Alors qu'est-ce qui te fait alors mal? Cela ne me fait pas tellement mal. Il y a quelque chose d'autre qui me fait mal. La relation qui m'a le plus brisée, c'est ma relation avec Andy. Je savais qu'il allait m'épouser. Je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Je suis vraiment dépassée. Mais comment ça s'est passé, non?
J'étais placée en route une fois. Une voiture s'est arrêtée. Je ne voulais pas entrer haut. Je suis entrée parce qu'il m'a obligée. Le reste, c'est une longue histoire. Une longue histoire. Andy. Jeune fille. Bonsoir, monsieur. Donc, où vas-tu? Je peux te déposer. D'accord? Désolée, je ne suis pas sûr que vous allez sur mon chemin. Oh, même si tu vas au ciel, je t'amènerai, ok? Il n'est pas bon pour les belles femmes comme toi d'attendre au bord de la route pendant longtemps, ok? Allons-y, je vais te déposer, ok? Je ne suis pas les inconnus. Oh, mon Dieu. En tout cas, je m'appelle monsieur Jack, ok? N'importe où tu vas, je te déposerai, ok? Allons-y, bébé. De toi, ok? S'il vous plaît, je veux dire, je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai un petit ami et je n'aimerais vraiment pas faire quelque chose qui va le blesser. Petit ami? Vas-tu lui dire que tu as trouvé quelqu'un d'autre? Petit ami? Ah, je suis vraiment désolée, monsieur. D'ailleurs, vous êtes un homme marié avec des enfants. Oh, arrête, la fille d'aujourd'hui. Elle croit, tu sais, à celui qui prend bien soin d'elle. Et je promets que je vais prendre bien soin de toi. Tu comprends ce que je dis? Pas de cette manière, monsieur. Je ne veux vraiment pas être fidèle à mon petit ami. Andy est une très bonne personne et je ne peux vraiment pas lui faire ce genre de choses. Bien, mais je pense qu'on peut être amis. Et je peux même t'amener à la maison et te déposer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est mieux. De rien, ma chère. Ok, on pourra se voir un autre jour. Merci vraiment pour... D'accord. D'accord. C'est okay. Bon. Merci beaucoup. De toi. Thank you.
salut, chérie. Ah, mais tu ne m'as pas prévenu que tu venais me voir. Oh, maintenant, j'ai besoin que tu me donnes une autorisation pour que je vienne te voir, n'est-ce pas? Ah, ah. C'est pas ce que je pense. Juste que si tu m'avais dit que tu venais, moi je t'aurais attendu. Qui était ce type? Et depuis combien de temps est-ce que tu savais lui? Oh, mon ami, c'est lui qui m'a ramené. J'étais tenue en route et il m'a proposé de me ramener à la maison. Je n'ai rien à voir avec cet homme. C'est vraiment décidé de toi. Alors la seule personne qui se porte garante de te déposer, c'est mon propre frère. Hein? Ton frère? Mais je ne l'avais pas su avant. Je n'ai rien à faire avec lui. Tu me déçois vraiment. Écoute, Andy. Tu sais que je ne peux pas faire ça, non? Tu... La ferme, stupide idiote, t'es qu'une sale menteuse toute faite. Andy. Écoute-moi très bien. Désormais, tu as tout le temps pour sortir avec qui tu veux dans cette ville. Je n'ai rien à foutre. Je m'en vais d'ici et je sors de ta vie pour de bon. Stupide idiote, n'importe quoi. Andy. Dégage. Andy, écoute. Tu arrives de sortir avec qui tu veux dans cette ville. Ce n'est pas ce que ça tu peut... penses. Porte quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais aller le voir. Je n'ai pas voulu me retrouver dans ce genre de situation. S'il te plaît. Mon amour. Qui est ton amour? Oh, d'accord. Mon grand frère, c'est ça? Je vois. S'il te plaît, Andy, arrête de m'embarrasser, non? Tu sais que je ne peux pas me mettre avec un autre homme. Arrête! Maintenant, écoute-moi. Je ne peux pas t'écouter sans que tu ne m'écoutes. Andy, je ne peux pas me mettre avec un autre homme. L'homme, cet homme avec qui tu m'as vu. Tu dis que c'est ton grand frère. Il m'a vu en route. Il m'a proposé de m'aider. Je ne suis pas en train de mentir. Il m'a demandé. Je lui ai dit que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Écoute, je ne peux pas me mettre avec une autre personne. S'il te plaît, je t'en prie. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, tu penses que tu peux me tromper? Ou est-ce que c'est un guignol pour toi? Écoute, j'en ai ras le bol de tes conneries. Et puis d'ailleurs, comme tu le constates, je tente de sortir d'ici. Andy, s'il te plaît, écoute. Je te supplie au nom de Dieu. Je t'en prie au nom de Dieu. Je suis innocente de toutes tes accusations. Je t'aime, je t'aime. Oh, Jésus, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, bien sûr que oui. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Alors, laisse-moi tranquille. Écoute, Andy. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, non? Tu le sais. Tu sais que je ne peux pas faire ma vie sans. Peut-être je suis folle. Mais je sais que je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, Andy, juste. Jésus, je vois que tu es vraiment très amoureuse de moi. Oui, oui. Mais laisse-moi sortir d'ici, d'accord? Laisse-moi sortir d'ici. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Viens, sortons d'ici. On y va. On y va. Je ne peux pas. Écoute, Andy. On y va. On y va. Allons-y. Rappelle-toi de nos projets. Je m'en fous. Je m'en fous. Je ne peux pas. Dégage, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Andy. S'il te plaît, Andy, ouvre-moi. S'il te plaît, Andy, ne me fais pas ça. S'il te plaît, Andy. S'il te plaît, pas chez moi, Biko. Je veux pas te voir. S'il te plaît, pas chez moi. Andy, s'il te plaît, ouvre ce portail, Andy. Andy, ne me fais pas ça. Andy, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Andy, pense à nos projets. C'est ce qui s'est passé alors, ma soeur. Ce qui me rend si confuse. Tu sais, je l'ai vu la semaine dernière. Je vais dire Andy. Et il me demande de lui pardonner. S'il pouvait connaître la vérité. Je ne peux pas lui pardonner. Moi aussi, j'ai ma fierté maintenant. Et pourquoi tu ne veux pas lui pardonner? Où était-il depuis? Où était-il depuis pendant que je souffrais dans les différentes mains des hommes? Où était-il depuis? Et il revient de nulle part. Il me demande de me pardonner. Pardon, je ne peux pas. Regarde ta vie. Reste là-bas. Écoute, si j'étais à ta place,
la façon dont je vais attraper ce gars. Hein. Reste là-bas, tu penses qu'avoir un mari, c'est facile. Tu ne réfléchis pas. Pour toi, c'est seulement tomber entre les mains de n'importe quel homme que tu veux. En quoi ça me concerne? Moi, je suis grillée, non? Grillée. Grillée. Ça va te donner le mariage, non? Il me dit que si je suis d'accord et si j'accepte, il va m'épouser. Qui va poursuivre sa femme? Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il chasse sa femme? Mais retourne à lui, non? Tu n'as vraiment pas un bon cœur, je t'assure. Si c'est toi que quelqu'un d'autre poursuit comme ça, tu vas aimer. Ce n'est même pas ça qui m'inquiète. Ce qui est en train d'arriver et me rend confus, c'est que, au même moment, il vient pour me dire que je dois lui pardonner. Il dit qu'il veut m'épouser. C'est ce même jour qu'il a couché avec ma patronne. Et après, il me demande de lui pardonner qu'il veut m'épouser. Je ne savais pas ce que je devais faire. J'ai commencé à faire comme ça, pour savoir qui je veux vraiment épouser. Tout ça me rend vraiment confus. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que celui que tu dis que tu aimes vraiment, suis-le. Mais rassure-toi qu'il n'y ait pas le piment, oh, pour que tu n'ailles pas souffrir. Ce que tu dis est vrai, oh. Je vais réfléchir. Tu ferais mieux. Je ne veux plus commettre d'erreur. En tout cas, je vais réfléchir. Mais Tontine, pourquoi non? J'ai aussi ma propre vie à vivre. Il est vrai que nous ne sortons plus ensemble, mais est-ce que cela signifie que je ne devrais plus lui parler ou aller lui rendre visite ou qu'il vienne me rendre visite? Je t'ai déjà dit, je ne veux plus le voir près de toi. Pour moi, présentement, ce gars est dangereux. Il peut venir ici pour me tuer ou envoyer les bandits dans ma boutique. S'il te plaît, Tata. Il ne peut jamais faire une chose de ce genre. Nous n'en sommes jamais arrivés là. Je suis d'accord que tu as dit qu'il ne s'est pas comporté comme tu le souhaitais. Je pense que ça pourrait être une mauvaise conception de ta part. Mais pour dire qu'il peut te tuer ou envoyer des voleurs dans ta boutique, ça c'est une mauvaise façon de penser de quelqu'un. Peux-tu fermer ta sale gueule? Ferme-la! Donc tu as déjà suffisamment grandi pour me répondre. M'apporter des suggestions inutiles. Ou me dire comment tu te sens. D'accord. Je ne veux plus te voir près de lui. Ou même l'appeler au téléphone. Tata. Si tu le fais, je vais te jeter hors de ma maison et hors de mes affaires. Et maintenant, va-t'en. Dégage de ma vue. Tu imagines? Cette chose est si brave pour se réjouir de ce que je chéris. Tu te régales, n'est-ce pas? Hein? Tu ne manges pas. Non, je ne mange pas ce genre de nourriture. J'ai un endroit où j'aime manger, il y a de la bonne nourriture. Un endroit là-bas, l'endroit de Marco. Penses-tu que c'est là qu'il y a la bonne nourriture? Ah, oh, regarde-toi, c'est le genre de nourriture là que ceci n'est pas cuit. Regarde, ce n'est même pas cuit. Ah, Uchezi, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Oh, je vais bien, tu vois que je vais bien. Gare, tu passes un très bon moment. J'ai quelque chose à faire ici. Merci bien. À plus tard. Qu'est-ce qui va pas avec toi maintenant, hein? Pourquoi as-tu l'air si en colère contre elle? Ferme ta bouche là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas que je suis jalouse? Donc je ne peux même plus saluer les gens parce que je suis avec toi? Tu sors avec qui? Excuse-moi. Où tu vas? Tu veux me laisser ici? Je veux aller aux toilettes. Moi aussi, je vais aller me coucher dans la chambre. Écoute, attends, j'arrive. Joe? Jonathan? Joe? J'arrive. Hey,
Je reviens, non? À cause de ces filles, j'ai perdu mon mari et je vais aussi perdre mon gars. Si j'attrape cette fille, toi, et plan, web et plan, ino. Oh, Pélino, Webio, le plan que tu as planifié a échoué. Tu te rappelles des jours que tu sortais avec mon mari Andrew? Tu sais comment je t'ai traité? C'est comme ça que je vais te traiter. M'as-tu compris? Alors, tu es mariée? Eh, il ne t'a pas dit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce jeune garçon dans ce genre d'endroit? Qu'est-ce que tu conseilles? Tu es ma belle-mère? Hein? Je vois. Peut-être tu ne comprends pas. Tu es un déshonneur en tant que femme mariée et pour les femmes. Toi de même. Toi de même aussi. Quelles sont ces conneries? Qu'est-ce que c'est? Tu as pris mon petit et maintenant tu prends mon mari. Quelqu'un peut dire à cette femme de dégager devant toi moi? Toi-même la chose, dégage de mon chemin. Dégage de la maison de mon mari. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comme tu as sorti avec mon mari, maintenant tu veux sortir avec mon petit ami. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Partout, tous les jours. Est-ce que quelqu'un va me répondre ici? Moi, comme je suis placé là, est-ce qu'est-ce qu'il va faire ici? Devant toi, tu ne dégages. Je vais en finir avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Stupide femme. Hein? Tu délires? Tu vois pas que c'est une cliente? Eh, donc je suis une cliente. Ma quoi? Tu es malade? Moi, je vais te casser la tête. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui te prend même? Je ne te vois pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de cette fille. Dégage, femme. Dégage. Regarde-moi ça. Regarde comme elle est mal formée, la bonne traite. Dégage. N'importe quoi. Si j'attrape cette fille, Odiez. Je sais pas quoi te dire de plus sur ce que tu devras lui dire. Tu sais. Écoute, si elle veut rentrer avec son ex, il faudra simplement la laisser partir. Comment peux-tu encore parler comme ça? Quand tu sais combien je l'aime et ce que je ressens pour elle. Écoute, oublie le fait qu'elle est ma soeur et que toi tu es mon ami. Lorsqu'une femme dit non dans une aventure d'amour, il est plus conseillé de la laisser partir. Ou alors tu vas faire écoper ton ego. Je m'en fous, même si mon ego venait à prendre un sale. Mais c'est ça l'erreur que nous les hommes commettons. Je m'en fous, tu sais bien combien je l'aime. Je l'aime tellement au point où aucune fille ne peut la remplacer. Je comprends ce que tu ressens. Parce que je sais ce que ça fait lorsqu'un homme trouve la femme qu'il voudrait épouser. Mais dès l'instant où cette vieille femme veut se mettre au milieu de vous avec ses ambitions sexuelles, je te conseille de laisser tomber. Je ne veux pas garder mes doigts croisés. Je veux combattre cette femme. Non, tu ne peux pas faire ça, Hugo. Laisse-la tranquille. Tu vois? Si elle est à toi, elle reviendra à toi. C'est juste une question de temps. Le temps n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'elle me revienne. Bien. Le temps nous dira. Hey, mec, lève-toi, allons prendre un truc, non? Allons prendre un verre, quelque part. Mec, je ne suis pas motivé à boire. Ok, laisse-moi t'apporter un peu de cigarette, alors. Souviens-toi du secret, toi seul, ça te regarde. Oncle Dio, désolé qu'il ne soit pas là, mais je lui dirai que tu es passé. Mais oui, tonton, je suis très contente que tu sois venu, tonton. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Encore une fois de plus, bienvenue. Merci bien, c'est gentil. Je suis très content de t'avoir vu. Ok. Bon, il faut que je parte. Prends bien soin de toi. Ok. Oncle Dio, et combien est-ce qu'ils veulent? Bien, environ 45 000 naira. 45 000 naira. 45 000 naira. Et surtout, dis-lui que je reviendrai moi-même pour récupérer cet argent. Ok, je le lui dirai une fois à la maison. Alors, au revoir, prends soin de toi. D'accord, prends soin de toi aussi. Mais qu'est-ce qui ne va même pas chez cette femme? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette sorcière de femme? Pourquoi m'appelle-t-elle tout le temps pour me déranger? Hein? Oncle Joe, j'espère que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Je crois savoir ce que je dois faire. Je vais lui écrire un message. Un violent message pour ce problème. Ainsi, elle aura peur et elle va arrêter de m'appeler. Ok, alors au revoir. Hein? Prends soin de toi. D'accord, tout va bien. Je m'en vais maintenant. Merci beaucoup. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, j'ai besoin de toi. Je sais. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué aussi. Je sais ça. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, chérie. Ton sourire m'a beaucoup manqué, tu sais. Hé, toi, toi. C'est comme si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, hein? Tu veux jouer avec moi et son gainé? Il n'y a rien à écouter. On ne peut pas le délivrer de ta folie. Hé,
Kémé, Otiezé, donc tu penses que tu as assez de force pour m'affronter, hein? Tu me cherches, n'est-ce pas? S'il te plaît, attends, laisse-moi tranquille. Pardon, ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au village qu'on t'a gâté. Donc c'est à cause de cette fille que tu m'as laissée à la maison. Andrew, je vais te montrer. S'il te plaît, va-t'en, rentre à la maison. On reste là quand j'arrive à la maison. Arrête d'amasser mon invité. Laisse-moi ce que tu as me dire. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Tu n'as pas dit que tu es marié? Oui, non, je lui ai dit non, mais... Qu'est-ce que tu es venu faire avec un homme marié? Hein? Peut-être tu lui as dit que je suis en retraite aux activités. Exactement. Chérie, maintenant elle veut jouer à la sérieuse. Comment tu le connais? Dis-moi. Non, c'est bon, calme. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Chérie, s'il te plaît, attends-moi. Mais elle est folle. Où sont-ils? Madame, c'est quoi ton problème? Quel est ton problème, non? Hein? Qui es-tu? Je suis la propriétaire de cet endroit. Et tu n'as pas le droit de chasser mes clients n'importe comment. Donc, c'est toi qui arranges tes filles pour mon gars. Si tu ne te méfies pas, je te fais du mal maintenant. N'importe quoi. Joe, tu n'as encore rien vu. C'est moi et Sogane, tu veux tenter. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as juste de rentrer? Oui. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Il me veut de nouveau, mais cette fois, c'est comme étant sa femme. Es-tu sûr que tu es en train de faire le bon choix en épousant un mec qui a été déjà marié? Oui, écoute, je pense que la chose la meilleure à faire dans la vie, c'est d'écouter son cœur. Je vais tenter d'écouter mon cœur cette fois-ci, même si les gens pensent que c'est une erreur. Écoute, ça c'est ce pourquoi j'ai toujours prié. Écoute, j'espère juste que tu sais ce que tu fais. Tu me suis là? J'ai compris, je sais ce que j'ai à faire. Ça c'est pas le moment où les gens doivent me dire ce que je dois faire. Je vais tenter de suivre mon cœur cette fois-ci. Bien, si c'est ce que tu veux vraiment, je te soutiendrai. Merci. Écoute, je t'aime tellement. Et je n'aimerais pas que tu regrettes l'une des décisions que tu prends présentement. Il vaudrait mieux que tu réfléchisses bien. Merci beaucoup. Je suppose que tu sais que je t'aime aussi, non? Allez, viens. Merci. Peut-être que j'irai plus tard. Lui demander comment il va faire. Ouais, ça va, c'est juste le fonctionnement.
je vais te massacrer dans ce jeu. Joe, Jonathan, je veux te voir. Pourquoi? Pardon, dégage de là, dis donc. Tu es fou? Je te devais d'abord, hein? Peu importe, j'ai vu ton message. Oui, tu as vu mon message, et en quoi ça me concerne? Ça te concerne. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu entres dans ton trois rangs qui sent là, que tu appelles chambre. Hein? Ramasse tout ce que j'ai acheté avec mon argent. Je l'ai reçu ici, oh. Va les chercher, sinon les voisins vont nous attendre, oh. Les gens vont nous attendre dans cette ville. Je n'entends pas bien, qu'est-ce que tu dis? Ce que tu as compris, ce que tu as attendu, c'est la même chose que j'ai dit. Hein? Écoute, je vais te dire un truc. Si tu ne dégages pas d'ici, je vais t'écraser. Tu vas faire quoi? Tu penses que t'es quoi? Dégage-la, tu vas punir ta bouche. C'est toi là, essai ou n'est pas toi. Rectification! Essai au Guinée. Essayons, Guéné, va-t'en et laisse-moi jouer. Donc tu as fait un jeu là-bas dehors. Fais jusqu'à, tu ne t'es pas rassasié. Hey! Tu as porté ton corps jusqu'à venir chez lui. Hey! Tu ne sais pas qu'il a une copine à la maison. C'est quel genre de fille, ça? Qui est cette mouche qui cherche qui va la tuer? Tu viens te mêler comme si c'était le gouvernement. Cela te conseille. Tu veux savoir quel est le moucheron? Oui. Bien, je vais te montrer quel est le moucheron ici. Tu as compris? Tu me vois comme je suis là. C'est moi, Linda. La copine de Joe. Oui. Alors je vais te dire qu'elle est le moucheron. Voici mes yeux que ton je t'ai fermé. Que tu sois parti avant que je laisse tout disparaître. Je te demande de partir. Rien, tu ne peux rien de t'en aller. Moi, Sogene, c'est moi qui commande cette vie. Je ne peux rien de faire. Je ne connais pas bien. Je vais te punir. Je vais te punir. Moi, la copine de Joe, je vais te mentir. Toi. Pas Joe. Pas Joe. Regarde-moi, parle-moi. Elle n'a rien à faire, elle vient déranger. Je te demande de t'en aller. Ferme ta bouche. Regarde, je vais te parler comme ça. Je te demande de t'en aller. C'est comme ça que tu me traites? Cela te concerne, mais écoute, je vais te punir, dégage ici, dégage! Bataché va là-bas, dis donc! N'importe quoi! Dis donc, va là-bas! Va avec ta malchance! Écoute, on s'en fout de ce que tu dois faire, que Dieu te punisse! Tu vois cette femme? Nous n'allons pas tolérer les bêtises de cette femme, parce que cette femme perd la tête. Et elle ne fait que nous provoquer depuis là. Parce que pour moi, Linda, je vais lui montrer. Et elle ne va elle rien ne me peut faire. Rien faire. Laissez quand je te vois encore dans cette maison, je vais te montrer. Vous avez été vraiment très joué avec elle. Ok, c'est comme tu veux. Faut que je te dise la vérité. Voyons, il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Une chose importante que je veux entendre. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ce mariage ne peut rien donner. Hein? C'est ce que ta soeur t'a dit? Tu ne sais pas que je suis une bénédiction de Dieu pour toi? C'est toi-même qui appelle à ma chance. Hein? Même comme je suis mariée, casée dans ta maison, les hommes me cherchent encore. Je suis une personne spéciale. Je suis vendue au marché. Ne me perds pas, oh. Écoute, je comprends. Mais tu vois, je veux qu'on règle ce problème amicalement. N'introduis pas ami et câble dans cette affaire. C'est comme si tu as oublié la réponse quand le pasteur t'en demande. C'est toi! Me prendre moi et Sogene, Omo Tielisabeliti, Abu Dejami, comme une charmante et tendre femme. Tu as dit que oui, oh, moi aussi j'ai dit oui. L'acte à la maison, oh, que j'apporte ça. Écoute, hey. Écoute, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Attends que je t'explique. Tu vois, je me suis arrangé pour que tout se passe absolument bien.
Vois-tu, j'ai gardé assez d'argent pour que tu puisses te lancer dans une bonne affaire. Oui, j'ai pris les dispositions pour que tu sois bien. Tu comprends ça? C'est là où je vais en venir. Bref, c'est juste que je veux le divorce. Et plan, ouais, mais plan, Lino. Au fait, Lino, c'est moi. Moi, Essogene, à mon jeune âge. C'est moi que tu veux rendre veuve, hein? Que je commence à penser, penser à c'est pas dire, c'est veuve. Hein? Oh, vive ou veuve, c'est la même chose. Moi que tu veux rendre à ça, attends que je te donne la raison principale de cette affaire. Tu vois, toi et moi, hein? Ensemble pour toujours. Tu ne vas nulle part. Je ne vais nulle part. Je suis là, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. D'accord, d'accord, mais je vais tout arrêter maintenant. Hein? En fait, c'est fatigué de ce mariage. Il peut pas marcher, ne te rends-tu pas compte? Je veux que quelque chose ne va pas dans ta tête. Je vais prendre sa tête. Je vais visser. Je vais serrer ça bien. Pour que tu reviennes à la raison. Non. Écoute, essaie. Tu peux pas comprendre. Voilà. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il est grand temps que nous restions loin l'un de l'autre. Écoute. Tu vois? J'en ai vraiment ras le bol de tous ces problèmes. Comme se battre ici et là, toutes les minutes et toutes les secondes. Et aussi se courir après, avec un pilon. Tu comprends ce que je veux dire? La vérité est que... Je veux que nous apprenions à vivre l'un l'un l'autre. Voilà, je veux dire séparément. Voilà, cela apportera de la joie à nous. Tu comprends? Du moins, avant que nous prenions ce divorce. Ici, c'est le fast-food. On ne vend pas les décodés ici. Que tu me dises pourquoi tu m'as appelé, s'il te plaît. Bien, c'est, tu vois. Je t'ai fait venir ici parce que je voulais que tu comprennes à quel point est-ce que je t'aime. Vois-tu, la première fois que je t'ai vu, tu étais une bombe. Tu vois? M'apprécier. Donc tu m'as bien regardé. Tu as vu que c'est ce genre de parole qui va faire que je vienne m'asseoir ici. Non. Temps, oh. Allez, prends pas ça comme ça. Tu vois? Regarde-toi un peu. Très belle femme. Regarde comment tes formes se dessinent sous tes vêtements et tout le reste. Pour ne pas parler de ton joli visage. Ah, oh. Donc tu le sais, c'est un autre homme qui a pris soin de moi jusqu'à ce niveau. Donc tu penses que tu peux m'habiller comme ça? Hein? Attends, arrête de crier là. Si tu sais que tu n'as pas assez d'argent pour prendre soin de moi, laisse-moi tranquille. Allez, voyons, essaie, prends ça calmement. Écoute, ne m'embarrasse pas. Nous sommes dans un restaurant là. Ne m'embarrasse pas. C'est pas toi qui m'as amené ici, c'est toi qui m'as amené ici. C'est bon. Ok, c'est bon. Attends, écoute. Tout compte fait, j'ai pas l'aide de ma famille. Allez, prends la peine de regarder le genre de chaussures que je porte. Regarde-moi, je suis pas de ma famille là. Je peux très bien prendre soin de toi. Tout ce que j'attends de toi, c'est ton accord. Voilà, c'est tout. Quel est encore ton nom? Allez, c'est Andy. Andy? Oui, Andy. Donc, tu me précises comme ça. Je ressemble à une affamée. Attends, je te dis une chose. Je n'ai pas besoin d'un homme qui viendra briser mon cœur. Parce qu'un homme l'a déjà brisé. Je t'en supplie au nom de Dieu. Alors, je vois. Tu parles d'après une expérience. Mais tu vois, je veux que tu me considères comme un ange. Tu vois, qui vient dans ton cœur pour arranger tous les dommages, tu vois. D'accord, tu comprends ça? Quel français parles-tu maintenant? Ah, voyons, allez, passe-y. Regarde-moi. Je promets que je vais te faire oublier tous ces hommes qui t'ont brisé le cœur. Andy, c'est ce que tu dis. Mais bien sûr. Laisse-moi te dire une chose. Hein. Ok. Si tu sais que tu prendras bien soin de moi, je ne voudrais pas voir une autre femme. Parce que je vais te briser la tête. Je ne veux allez. Pas attendre que tu sors avec une autre. Allez, je bébé. Ne veux pas de problème. Mais non, bébé. Je suis dans mon coin seul. Écoute, je ne blague pas. Je ne suis pas un blagueur. D'accord? Donne-moi juste une chance. C'est tout je vais y penser. Oh, je vais réfléchir à propos de ça. C'est bon. Alors, que puis-je bien t'offrir depuis que nous sommes assis ici? Je ne veux rien. Je ne veux pas manger ici. Alors, je me mets au nom, s'il te plaît. Maman Onome, au carrefour là, tu ne connais pas maman Onome. Mais écoute, je t'ai amené, c'est pour que tu puisses prendre ton repas. Oh, et voilà, je ne suis pas habituée à ce genre de nourriture. Bon ça, mais je pense qu'ils font de la bonne bouffe ici. Peut-être que tu chamard. Voilà, c'est très délicieux, tu sais. Andy, je ne veux pas manger cette nourriture, pardon. Alors je suis maman Onome là-bas, elle ne pas la bonne nourriture. Chut, c'est bon, calme-toi, c'est bon. Ça va, j'ai compris, calme-toi. Oh, no way. Andrew. Et... Andrew, c'est moi que tu m'amènes au tribunal. Je t'ai dit ce que j'allais te dire. Écoute, j'ai un avocat. Oh. J'ai un avocat. Maître. Non, d'accord, tu n'as qu'à l'appeler. Je vais l'appeler. C'est moi que tu m'amènes au tribunal. Andrew, viens, non? Andrew, ne prends pas ça comme ça. Oh. Andrew, je suis ta femme. Oh. Hey! Qu'est-ce que j'ai encore fait?
j'arrive, que fais-tu ici? En fait, je suis désolé. J'ai reconnu mon erreur et je suis venu te présenter mes excuses pour mon manque de coopération. Ça, ça va. Alors, où est-elle? Je l'ai renvoyée parce qu'elle a commencé à créer les problèmes. J'ai appris qu'elle va se marier bientôt. Alors, où est-elle maintenant? Elle habite avec son frère quelque part. Wow. J'ai vraiment réalisé que tu es une très belle femme. Que je perdais mon temps avec cette fille. Maintenant que je te vois, je vois le vrai amour. Donc je pense que nous pouvons former un vrai couple. Merci. Je t'aime, bébé. Merci. Tu ne vas pas m'arrêter. Tu ne vas pas m'arrêter. Importante dans ma vie. Des gens comme toi ne méritent pas de vivre sur la surface de cette terre. Rendez-vous au paradis. Andrew, mon mari, travailleur. Parle non, ne fais pas comme ça. Bien, rien de spécial. C'est juste que je suis en train de sortir là. Hey Andrew, tu ne peux pas partir comme ça, non? Hein? Tu veux juste partir. Mais quand est-ce que tu veux? J'ai fait un dépôt dans ton compte un peu plus tôt en journée. Mais que veux-tu d'autre? Bien sûr. Combien? Il y a environ 350 000 naira qui sont dans ton compte. Hey, si tu peux mettre 300 000 naira dans mon compte, combien vas-tu donner au Tiensé, non? Voyons, ici. Mais sois raisonnable. Voilà, l'argent que j'ai déposé dans ton compte est suffisant pour que tu commences une bonne affaire. Et puis, j'ai payé le bail pour cette maison pour que tu puisses rester au moins pendant 2 ans. Regarde cette chambre. Elle a plus grande dette aussi pour toi. Hi. Et même les meubles sont également à toi. Alors que veux-tu d'autre? Andrew, c'est pas comme tu penses. Quoi? Ce n'est pas à propos du matériel. C'est toi. C'est de toi-même que j'ai besoin. Essaie. Essaie. Écoute-moi très bien. Hi. Essaie de comprendre ceci pour une dernière fois. Écoute, nous serons les gens les plus heureux de la terre si jamais nous vivons séparément. Donc laisse-moi partir et prends également ton propre chemin. Andrew, c'est comme si tu as oublié que c'est le mariage que tu m'as épousé. Si tu es fatigué de moi, renvoie-moi chez mes parents, oh. Sinon ils vont en finir avec toi. Il faudra traverser mon cadavre. Je ne peux pas faire ça. Par rapport à pourquoi quoi, non? Hein? Quoi? La dernière fois que j'ai essayé ça, ta famille a carrément failli condamner ma famille et moi à mort. Ok. Ça, c'est son méchant. Donc j'ai décidé de revoir les termes de notre amour. Oui, bien sûr. Andrew, laisse-moi te dire quelque chose, hein? Tu ne vas aller nulle part. Vraiment? Tu vois cette relation, ça va continuer. Tu m'as compris? Tu ne vas aller nulle part. Hein? Nous sommes mariés. Regarde ma part. Nous sommes mariés. Ensemble pour toujours. Tu ne vas aller nulle part. Tu peux ensemble, tu sais. Toi et moi, nous allons rester ici là. Tu ne vas aller nulle part. Tu veux la gagner, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ouais, lâche-moi. Andrew. Andrew, tu joues avec moi. Tu crois vraiment que tu as m'habitude de sortir de cette maison? Regarde-moi celui-ci. Andrew. Écoute, essaie. Oh, laisse-moi sortir. Nulle part. Oh, essaie. Écoute-moi, ma mère. Tu crois que j'ai peur de toi? Eh bien, je vais te montrer que tu es l'homme dans cette maison. Je suis la femme dans cette maison. Ah ouais? Andrew, tu ne vas nulle part. Tu n'as encore rien vu. Moi, tu me cherches, n'est-ce pas? Tu es fou, n'est-ce pas? Assez. J'ai assez de toutes tes conneries. Assez de toutes tes crises de folie. Écoute, aujourd'hui, c'est le dernier jour que tu verras dans cette maison. Andrew, ne joue pas avec moi. Ha, Andrew.
Andrew. Andrew, tu veux augmenter ma tension dans cette maison. Andrew. Andrew. Pas toi. C'est quoi, c'est quoi toute cette machance? Je suis prisonnier ici. Andrew, Andrew, tu ne vas aller nulle part. Tu vas rester ici. Hey, 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 je suis mort. Mais Léoba, tu reviens ici, arrête-toi. Arrête-toi. Hey, pourquoi? Tu es fou? Hein? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu veux me remercier? Dieu va te punir. Écoute-moi bien, nous n'avons aucune question à te poser ici. Suis-moi juste au poste et explique-leur comment tu as prévu de me tuer. Parce que quel que soit ce qui m'arrive, tu seras responsable. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je suis innocente ici. Je suis le sergent Edward du commissariat de police. Oui. Et celui-ci est mon collègue. On a besoin de votre présence à la police maintenant. Sans souci. Vous pouvez vous avancer. Hein? Je vais vous suivre derrière. C'est que j'ai une cousine qui veut voyager cette nuit. Je veux juste aller déposer ses sacs. Officiellement, oh. Elle marche, elle marche. Jonathan, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, madame. Il y a un ordre de fuir votre maison. Ma maison? Oui. Avec l'ordre de qui, non? L'ordre du roi, madame. Hey. D'accord. Que j'appelle ton supérieur. Hein? Elle va appeler son patron. Hein? Madame, tu es en train de perdre mon temps ici. Pardon, demande-moi. Nous avons perdu beaucoup de temps avec toi ici, madame. Hey. Corporel. Monsieur. Allez-y. Hey. Oui. Jonathan, ce que tu as fait, ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu dis quoi? Avancez, madame. Elle marche. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Criminel. Entre. Entre-la. Allez-y. Menteuse, va là-bas. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je veux qu'on discute. Comme tu peux le voir, je suis en train de sortir. Je veux que nous discutions et nous devons le faire maintenant. Qu'attends-tu encore de moi? Je te l'ai dit. Mais c'est fini entre toi et moi. Va et épouse ma patronne. Quoi? Écoute, tu sais que je ne veux pas, madame. C'est toi que je veux. Je t'aime beaucoup. Ma vie est incomplète sans toi. Je n'arrive même plus à penser à quoi que ce soit. Tu es hors de ta pensée. Essaie d'aller droit au but. Écoute, bébé, je t'aime énormément. Je t'aime beaucoup et je voudrais que tu me reviennes, s'il te plaît. Voyons. Je te l'ai dit. Je ne suis plus intéressée. Écoute, et il y a plus d'un million de femmes là-bas dehors. Le prochain portail, juste après cette concession, tu vas trouver deux femmes là-bas. Va là-bas et fais ton choix. Je ne suis plus disponible. Elle ne m'intéresse pas. C'est toi que je veux. Voyons. Ne mets pas le sable dans mon tapis KO. Ne viens pas du tout me mettre le sable dans mon tapis. Comment ça? Mon fiancé sera bientôt là-bas. Je n'aimerais pas qu'il te trouve ici. Si je ne peux pas être avec toi, personne d'autre ne le sera. Menteur. Tous menteurs. Ne me le dis pas. Ne me le dis pas. Je t'aime beaucoup. Ça, c'est quelle blague, ça, non? Ce n'est pas une blague. Je veux que tu reviennes dans ma vie. Tu sais combien j'ai dit en cause de toi. Je t'aime. Je veux que tu me dismuies avant que je ne compte jusqu'à 3. 1. J'ai éliminé des personnes. 2. Je te dis non! Désolé. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. 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 Désolé.